Pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir voir des œuvres de la Guadeloupe à Paris. D'abord, c'est rare. Je crois que c'est la deuxième édition, que la première était à Saint-Germain. Puis je suis très content parce que je vois qu'il y a de très belles choses. Bah écoutez, je la trouve géniale parce que nous avons 5 artistes très différents qui me font découvrir des pulsations et des histoires à ne pas oublier. C'est très hétéroclite et c'est très coloré, ça peut être aussi très sombre. J'aime beaucoup, c'est un joli voyage. À la première édition, il y avait vraiment beaucoup de mélange de bleu, de jaune et de vert avec, avec ce fond un peu ambré. Et là, donc, on a les deux, on a ce jaune pâle dans les différents tableaux et on a un peu de doré, on en retrouve encore un petit peu de bleu, un petit peu de rouge, mélangé avec le jaune et l'orangé, donc ben voilà, des couleurs qu'on retrouve aux îles. Il est important que nous puissions bien sûr continuer à nous enraciner dans notre terroir, mais il est aussi important que nous puissions donner à voir le meilleur de nous-mêmes aux autres. Nous n'oublions pas que nous avons à nous nourrir des autres comme les autres ont à se nourrir de nous. Nous ne voulons pas nous diluer dans l'universel, nous ne voulons pas non plus nous enfermer dans le particulier, de sorte qu'il y a lieu effectivement de décliner véritablement une sorte de dialogue avec le monde et de réinventer finalement la belle aventure du tout monde à travers ce genre de manifestation. Nous on est conquis d'avance parce qu'on revient de Guadeloupe. Donc voilà, on avait découvert l'artiste Jean-Marc Hult là-bas. Une expo qui, avec une certaine force de création et une ambiance chaleureuse que l'on retrouve des îles et de la Guadeloupe, mais en effet avec une puissance dans chaque création différente, mais qui interpelle oui, chaque regard. Alors ça, déjà ça fait chaud au cœur, mais au-delà de ça, c'est aussi une forme de on y est arrivé quoi. De voir qu'en plein Paris, à Beaubourg, il y a cette exposition, je trouve que la région a toute la légitimité parce que les artistes sont déjà brillants. Donc il n'y a pas du tout une maldonne à ce niveau-là. Donc c'est presque une évidence quoi. C'est un espace formidable. Et là, je vois que tout l'espace est bien occupé. Tout est beau. Donc je suis très contente de faire la connaissance de tous ces peintres. Je ne connaissais pas l'artiste qui est derrière. Ce type de peinture sur toi, enfin, je trouve ça assez intéressant et très varié. Et en plus, il y a des femmes, il y a des hommes, donc je trouve que c'est un assez bon choix de la région Guadeloupe et puis en plein dans Paris. Voilà, moi je suis assez fière et assez contente. Pour moi, c'est très intéressant de voir le mélange déjà qu'il peut y avoir dans cette exposition entre quelqu'un qui vient du street art comme Chekwan, quelqu'un comme Marielle Plaisir qui est sur un travail de matière, de tissus, d'objets, de tableaux revisités à travers les tissus. Et puis de Philippe Thomarel, qui, pour ne rien vous cacher, est l'homme que je suis depuis des années. En fait, c'est indispensable que l'art de la Caraïbe puisse venir se montrer en France, et notamment la Guadeloupe et la Martinique, parce que, en fait, c'est intrinsèquement parlant la diversité de la France. C'est vraiment une manifestation de la culture antillaise ici à Paris. Paris, non pas seulement comme la France, mais Paris comme un lieu capital aussi, donc du monde. Et c'est ça qui est essentiel pour moi, que le Guadeloupe se fait voir ailleurs aussi que Guadeloupe, mais dans le monde entier. Et la qualité des œuvres, c'est vraiment quelque chose, donc vraiment ça vaut la peine.